Bonjour, c'est Ivar Hammer. Donc, j'ai reçu mes colis Amazon. Je voulais vous faire partager ça. Donc, on ouvre. Comme je vous avais parlé sur le live, j'avais dit que j'allais me commander ou le micro ou la GoPro. J'ai craqué pour la GoPro, hein, Hero 7. Donc voilà, dans son petit emballage. Aux deux, voilà. Il faut pas que j'aille trop près parce qu'après ça fait flou. Donc c'est pas mal protégé, hein, il n'y a rien sur l'emballage, on ne voit pas ce que c'est, donc ça c'est pas mal. Ça se présente comme ça, une belle boîte. J'ouvre tout, hein. Je ne sais pas du tout comment ça s'ouvre après. Je pense qu'il faut passer par en dessous. Une petite languette. Petite languette. Voilà. Hop. D'ailleurs, tous les collectiques. On la tout sort d'un coup. Elle est là. Il y a une belle image de. Une belle image de tortue. C'est assez sympa. On va aller vite, hein. C'est pas que je sois pressé, hein. Donc dedans, on a une batterie. Oula, je l'ai fait tomber. On a une batterie. On a un câble USB-C, USB. On a un petit grip à coller. Voilà, même deux. Et c'est tout. Après, ça passe à la notice qui est en dessous. Et puis après, on a la GoPro avec la petite griffe qui va bien. Ce qui est marrant, c'est cette espèce de boîte là. Voilà. Sécurité dessus, je sais pas du tout comment ça se défait. Je l'ai reçu, hein, je l'ai fait direct. Le temps de monter tout, j'ai attendu pour vous faire le unboxing. J'irai calmement après pour le démonter parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc en plastique qui bloque. Je voudrais pas le casser, je sais pas ce qui bloque. Il y avait une sécurité. Je crois que ça se pousse vers. Ah, ça se pousse vers l'avant. Voilà. Voilà, c'est tout petit, hein. Voilà, vous l'avez vu. Je vous mets en haut le lien sur ma vidéo où j'ai testé ce produit. C'était une caméra qu'on m'avait prêtée. Donc, bah voilà, là, celle-ci, c'est la mienne. Et bah maintenant, je vais pouvoir faire des vidéos même quand il pleut. Et je suis content parce que, bah voilà. Et par contre, alors, j'ai commandé autre chose, hein, spécial vacances, on va dire. Donc, je pousse tout. Et là, on voit un peu plus sur la boîte ce que c'est. Hein. On voit un peu plus. J'ai arraché un petit peu les étiquettes hein, pour pas qu'on voie mon numéro. Donc, je vous fais le unboxing aussi. Voilà. Hop. Ça se présente ici. Donc, il y a des anti-humidité. Il y a une poignée. Y a une poignée. Voilà, donc vous devez deviner à quoi ça sert. Dans la boîte, je la pousse. Ils ont mis une belle protection, une belle petite toile, ça j'aime bien. Et dedans, il y a un dôme. C'est un truc de malade. En vrai, j'ai vu ça sur un film et ça m'a plu. Donc c'est pour aller sous l'eau, parce que la GoPro est étanche. La GoPro 7 et Hero 7, la Black Edition, elle est étanche. Mais à 6-7 mètres, j'ai entendu dire que des fois il y avait des problèmes de boutons, tout ça. Et là, j'ai vu un truc de fou, ça s'appelle un dôme. Alors, dedans, j'ai la boîte étanche. Je ne sais pas si vous voyez bien là. Ici, là, j'ai la boîte étanche. Ça fait un dôme et on peut s'amuser à mettre l'eau juste ici. Ça fait que, je vous montrerai les images hein, quand je les aurai fait.
ça fait qu'on a le, on voit le dessus, ce qui se passe au-dessus de l'eau et ce qui se passe en dessous de l'eau. Donc ça, c'est chouette. C'est un peu sympa. Et puis, si on veut plonger avec, bon, on met la petite poignée comme ça derrière et on peut partir qu'avec la cage et juste la GoPro qui est dedans. On n'est pas obligé de mettre tout le dôme, hein. Il suffit de défaire ces deux petites vis. Donc voilà, ça m'a plu, ça permet de faire des belles prises de vue. À mon avis, je vais faire joujou avec ça bientôt quand je vais être en vacances. Je vous dis tous merci. On a atteint les 2000 abonnés, donc je suis super content. Je vous remercie de me suivre. Il y a un truc, je vais essayer de sortir la vidéo rapidement parce que lundi, donc moi j'ai acheté tout ça sur Amazon. Je vous mets les liens en dessous. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. Lundi et mardi, c'est les Prime chez Amazon. Il va y avoir des prix. S'il y a autre chose qui vous plaît, vous pouvez toujours passer par mes liens et moi je touche quelque chose et ça me permet d'acheter des produits comme ça. Voilà. Moi j'ai eu quelques petites réductions qui m'ont permis d'acheter ça et puis pour vous faire des belles images encore pour mes films. Je vous dis à bientôt. Et je vous fais un petit coucou avec la main aussi là. Je vous ferme. J'avais mis deux caméras pour faire ça. Je vous dis merci encore de me suivre. À bientôt, bonne détection à tous et voilà. À bientôt.